mode langage ça yo pas pour chrétien. Mode langage ça yo pas pour chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bonjour, bonsoir, salut. Saint-Esprit bon Dieu, encore jodi a rentré dans le lieu très saint sous cœur, dans l'esprit ou la caillou. Quel que soit côté, vous attendez enseignement ça dans le monde là. Nous dis bonsoir à tous élèves l'école de Dieu en Jésus-Christ, dirigée par le Saint-Esprit de Dieu. Et nous dis bonsoir à tous auditeurs, auditrices, qui attendent enseignement ça et qui habitué à enseignement ça tout sur YouTube. Et sur cours de révélation biblique. Donc, c'est ça, nous allons partager ensemble, parce que quand pile, bagaille, en tant que chrétien, nous qu'on a dit, mais qui pas, nous pas supposé répéter. Donc, par exemple, en pile fois, nous parlons de nos comptes. Bouche dans pile pouvoir. Selon Proverbe 18, verset 21, bouche dans pile pouvoir. Proverbe 18, verset 21, la donne cet esprit dit qui ça? Il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ça veut dire, bouchou, dans bouchou, il y a vie. Dans bouchou, il y a mort. Ça veut dire, l'a parlé, faut contrôler bouche là. Pas dit n'importe bagaille. Gédé c'est des bagailles, l'a dit, c'est un coup son, et maudit, maudit et tout. Ou ralent malédiction sur vous. Un bon exemple. Le ou pas qu'à chrétien, et puis il y a un monde de comment est, et puis pour après, on vous dit, m'papi mal. Non. Ou bon gros bon Dieu comme ça, ou bien gros c'est papa ça, ou pas d'un papi mal. Chrétien, réponse doit toujours gagner. Les hommes disent comment lier, c'est moi très bien grâce à Dieu. Moi en forme avec Jésus. M'a pas avancé avec Jésus. Est-ce que vous comprenez? Non pas dans papi mal, l'autre ou papi mal, ou maudit tête ou prononcer une parole négative sur tête. Parce que si vous papi mal, ça veut dire toujours mal. Prends ça sort dire comment est papi mal? L'autre dit m'pas pi mal, ça veut dire toujours mal. Ou toujours mal, il pas bon. Vous comprenez? Ça veut dire l'autre parler, faut prononcer bagaille qui positive sous tête. Est-ce que vous comprenez? D'ailleurs, un chrétien doit avoir un langage spirituel. Faut que l'autre parler, yo senti son chrétien qui parle. Faut que l'autre parler, yo senti son petit bon Dieu qui parle. Est-ce que vous comprenez? Selon 1 Corinthiens 2, verset 13, vous faites pour un langage spirituel. Et la Bible parle de juger physiquement, selon Matthieu 7, verset 1, à continuer. Mais la Bible dit qu'on peut juger un frère qui soit oui, spirituellement, ou qu'on fait jugement. Et il va obliger foi à ça, non? Ou qu'on fait jugement spirituellement, selon 1 Corinthiens 2, verset 15. Ça veut dire. Si un petit bon Dieu quand il a parlé, il m'a dit comment lié, et puis il dit m'papi mal. Ah non. On frère au cadre comme ça, non. Ça pas langage un chrétien. Ou pas rien doit fâcher, non. Comment il m'papi mal, non, non, non. Le Saint-Esprit bon Dieu dedans, ou toujours bien, ou toujours en forme. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire pile fois, nous répondons comme ça juste par habitude, par coutume. Mais chrétien pas dans coutume. Nous comme ça, chrétien pas dans coutume. Chrétien par habitude. Donc, le langage du chrétien doit être spirituel selon 1 Corinthiens 2, verset 13. Chrétien par doué gen même langage avec un païen. Selon 1 Jean 2, 15. Chrétien par coutume selon Colossiens 2, verset 8. Donc, chrétien par n'en papi mal. Yo mando. Comment est en tant que chrétien? Moi très bien avec Jésus. Deuxième expression, nous pas de dire. Gen moun la parler li di ou n'importe ça pas le faire ou bien n'importe ça qu'arriver peut-être. En par exemple, chrétien doit pas sortir là puis la puis tomber.
Et puis il a parlé de ah bon, c'est pas pour un bien, pour un mal. Non, expression ça pas pour chrétien. Un chrétien pas capable dire c'est pas pour un bien, c'est pour un mal. Non. Romains 8 28 démenti. Il dit détrompé. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire les chrétiens, pas rien à faire, c'est pas pour un bien pour un mal. Tout ça fait, c'est pour bien. Ou même, on ne doit pas comprendre. Ou même, qu'on ne doit pas comprendre, nous penser, c'est pour un mal. Mais pas grand, j'aime depuis ces chrétiens, bon petit bon Dieu, pas grand, il écrit vos livres pour mal, c'est pour bien. C'est ça que fait, n'importe ça qui veut, faut dire bon Dieu merci. N'importe ça qui veut, là, faut dire bon Dieu merci. Parce que parole bon Dieu dit clair dans Somme 34. Ok, le malheur atteint souvent le juste, mais Jésus-Christ l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais Jésus-Christ l'en délivre toujours. Ça veut dire quoi? Là, on dit le malheur atteint souvent le juste. Ça, c'est une révélation profonde de la donne. Ça ne veut pas dire malheur dans le sens où on prend littéral là. Non. Malheur, ça, il veut dire qui ça? Il veut dire attaque. Il veut dire difficulté. Il veut dire expédition. Il veut dire magie. Il veut dire renvoi. Il veut dire persécution. Est-ce que nous comprenons? C'est tout ça. Malheur, ça veut dire. Le malheur atteint souvent le juste, mais Jésus-Christ en délivre toujours. Ça veut dire, quelle que soit attaque qui fait d'ailleurs, cet esprit, mon Dieu, pape qui te prend la donne. La pépagne de tout danger, de toute expédition, c'est que il fait d'ailleurs, des familles, des cailloux. Bon, cet esprit, mon Dieu, a toujours crasé. Est-ce que vous comprenez? Donc, bon Dieu, a quitté son senti signe. Ah oui. Si on t'en a pour vous, bon Dieu, quitte pour sentir ici, il faut sentir ici pour qu'on grandel, pour qu'on grandel en dedans, dans la vie. Yep. Oui, il a quitté pour sentir un petit peu gratté parfois. Il a quitté pour sentir un petit bail, un petit peu qui pique. Est-ce que vous comprenez? Et puis, même côté, il y a du discernement, il y a une révélation. Et puis, même côté, il y a un message passé qui fait plus, ou sentir ti gratel ça ou bien ou senti ti aiguille pico ça mais qui raison et puis en façon pour qu'a dire merci pour comprendre pour qu'a bal louange il mérite ah oui est-ce que vous comprenez donc a fait bagaille on bagaille rivon chrétien pour dire c'est pas pour bien pour mal langage ça c'est langage païen ça c'est deuxième expression nous ensemble qui pas pour chrétien OK troisième bagaille en chrétien pas de dire. Songez bien, oui, premier bagaille, ou pas de dire, pas mal, ça pile chrétien dit. Deuxième bagaille, ou pas de dire, c'est pas pour bien, pour mal. Troisième bagaille, n'a boule petit petit. Gen moun l'autre, demande le comment yes, l'aide pas de pas mal, ou n'a boule petit petit. Bon, n'a qui du feu à brûler. Est-ce qu'on parle son madichon, son mauvaise parole de prononcer sur la voix? N'a boule petit petit. Non, pas gen n'a boule petit petit. Dans place n'a boule petit petit pour dire n'a pas avancé avec Jésus. N'a pas avancé avec Jésus. Ayayay, n'a pas avancé avec Jésus. Pas que n'a boule petit petit. N'a qui dit faut brûler. Pas prononcer bagaille qui mal sous la vie. N'a continué quatrième parole. Gen moun k'a parler qui dit ou en tort ou passé. Ou pas en tort ou passé. Non. Non, ça va pour chrétien. Selon Proverbe 26, verset 2, il n'est pas pour chrétien. Cet esprit, bon Dieu, dit dans Proverbe 26, verset 2, clairement, il dit, la malédiction sans cause n'a point d'effet. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Ça veut dire, de pour pas tenter, bon Dieu, aucun mal n'est pas pour vous. Parce qu'on n'a pas qu'à tenter bon Dieu. De vous pas tenter, papa, ou pas tenter bon Dieu, aucun n'a pas qu'à vous. Même Jean-Jésus te dit dans Matthieu 4 là. Le diable a été besoin de tenter papa là. Vous comprenez? La malédiction sans cause n'a point d'effet. Selon Proverbe 26, verset 2.
Donc a fait bagaille ou en toi pas ou pas toi pas c'est pas vrai. Petit bon Dieu pas dans ça. Moi même pas vrai. Au nom de Jésus, ni moi même ni ou même qui attend enseignement ça là, au nom de Jésus depuis nous pas tenter bon Dieu. N'a vivre avec prudence, n'a prier bon Dieu. Matin midi soir, n'a bal gloire, n'a bal louange, n'a faire effort, n'a marcher, n'a vivre parole qui dans Bible là. Ça nous lien, n'a faire effort pour nous mettre la pratique, n'a demander Saint-Esprit pour nous mener nous pour ben nous courage. Parce que la parole de Dieu est dure. Pas vrai? Selon Jean 6, 66, la parole de Dieu est dure. Pas vrai? Difficile. Mais, bon Dieu, il y a des gens qui font effort. Il y a des gens qui font effort pour observer. Eh bien, si je fais effort avec aide de cet esprit, bon Dieu, ben moins, avec guide cet esprit, bon Dieu, ben moins, je prie, bon Dieu, je bâille, bon Dieu, gloire, je fais effort pour mettre la parole en pratique. Eh bien, je ne vais pas prendre un coup de poudre au nom de Jésus. Moi-même, avant, je ne vais pas prendre un coup de poudre. Moi-même, avant, je ne vais pas prendre un même monté. Je ne vais pas prendre un coup de main dans la même montée. Non, ce n'est pas vrai. Moi-même, avant, je ne vais pas prendre une expédition diable pas entrer sur nous. Ce n'est pas vrai. Je ne vais pas venir atteindre. Ce n'est pas vrai. Parce que depuis la venue, après son flamme du feu, il va même mourir pas prendre au nom de Jésus. Donc, il y a ces expressions, mes amis, nous ne devons pas utiliser. Il n'y a pas pour nous comme chrétiens. Est-ce que nous comprenons? Je ne suis pas plus mal. Je suis boulé petit. Ce n'est pas pour nous, bien c'est pour nous mal. Non, ça n'est pas pour nous. Ça n'est pas pour nous. Ok? Il y a un langage qui n'est pas pour nous. Ou après l'autre côté, on frappe les pieds, on frappe les pieds droit tout. On dit son mot une bonne nouvelle. On frappe les pieds gauche, on dit son mauvaise nouvelle. Non. Ça, c'est bagage magie. Ça, c'est langage mystique. Non, petit bon Dieu, gon bagay qui est le discernement qui sont dons dans 1 Corinthiens 12 verset 10. Petit bon Dieu, n'importe ça qui va arriver depuis li cœur disposé pour ça, eh bien cet esprit bon Dieu a bonne nouvelle là, l'abdou mais ça va passer. L'a forwel, l'a pas avant, l'a baoul dans vision, l'a baoul dans songe, l'a baoul dans rêve. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire bon Dieu a révélé petit li malheur qui pendait sous tête li, qui pendait sous tête famille, qui pendait sous tête kaili. Et même le bon Dieu, t'as parlé avec lui, pas comprendre, met ton serviteur, ton servante, ton frère là seul, ou bien seul sous route li pour venir dire, mais ça bon Dieu vous dit, pour préparer l'attention. Mais et pas pied ou frapper pied droit, pied gauche, c'est pas ça. Ça, c'est bagaille mystique. Langage, ça va pour nous. Bon Dieu bénis nous. Langage, ça va pour nous. Est-ce que nous entendez bien? Des expressions nous pas doué utiliser. L'on utilise c'est diable là ou baye gloire. L'on parle au lieu dit pour diable dit à Dieu. Au lieu dit pour diable dit à Dieu. OK? N'a pas utiliser langage spirituel, n'a baye bon Dieu gloire mais nous pas baye diable la gloire. OK? Bon Dieu pas partager gloire. Selon Ésaïe 42 verset 8, bon Dieu pas partager gloire. Au lieu dit pour diable dit à Dieu. Là n'a parlé comme chrétien. Gen moun les dents moun blanche, il dit dans blanc tant que dans zombie. Non. Expression ça va pour chrétien. Dans blanc tant que dans zombie. Non. Tant pour dit dans blanc tant que dans zombie plutôt dit dans blanche tant que la neige. Dit ça plutôt. Dans blanche tant que la neige. OK? Dans pas blanc tant que dans zombie. Et dans zombie pas plus blanche que dans la neige. Bon Dieu créé. Est-ce que nous comprenons? Dans le blanc, ça coule la neige. Pas dit dans le blanc, ça coule dans le zombie. Gan pile moun tout, l'homme moun gan pile force, il dit y'a tel gon force diable sous lui. Non. Diable pas gagne force que bon Dieu. Non. Au lieu de dire gon force diable sous lui, plutôt dit il gon force Saint-Esprit sous lui. Parce que Saint-Esprit, bon Dieu, il est tout puissant. Est-ce que vous comprenez? Ou bien il y a une force Jésus-Christ sur lui parce que Jésus dit dans Matthieu 28, verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Est-ce que vous entendez? Et il y a des gens qui parlent tous les deux. Après mon Dieu dans le ciel là, c'est ma maman qui fait là. Après mon Dieu dans le ciel là, moi grand mon tête moi. Après mon Dieu dans le ciel là, c'est grâce à un tel qui fait me jeune travail ça. Non. Très, très mal utilisé. Très très mal utilisé langage mon Dieu ba en tant que chrétien.
après bon Dieu dans celle-là, langage ça c'est pour pas. Après bon Dieu dans celle-là, pas gain l'autre. Après bon Dieu, pas gain l'autre. Nous connaissons ça? Nous songeons ça? Ah, attention. Bon Dieu, bouquet dit ça dans Isaïe, dans cette alliance. Papa, dans la bouche prophète Isaïe. Livre dans la nouvelle alliance encore, il dit même parole. Dans Apocalypse 1, verset 8, Saint-Esprit, bon Dieu, a parlé, qui c'est Jésus-Christ, selon 2 Corinthiens 3, verset 17. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga, ça veut dire quoi? Je suis le commencement et la fin, le premier et le dernier. Celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Ça veut dire là, Jésus dit, c'est moi, m'bagé commencement, m'bagé fin. C'est moi commencement, c'est moi fin. Donc, c'est le commencement et le fin. Si c'est le fin, pas gain après. Mes amis, puis nous dit après bon Dieu, en tant que chrétien, chrétienne, puis nous dit après bon Dieu. Pas gain après bon Dieu. Après bon Dieu, c'est bon Dieu. Pas gain après bon Dieu. C'est le fin. Dieu est éternel. C'est bon, si bon Dieu est éternel, il n'y a pas gain après elle. Est-ce que nous comprenons? Pas de problème, ou capable de dire, c'est grand merci papa, c'est grand merci zami ça, c'est grand merci en cousine moi, c'est grand merci un tel, c'est grand merci un tel, vous comprenez? Ou bien, c'est pas un tel bon Dieu passé pour faire tel bagage pour moi. Ah, c'est pas un tel bon Dieu passé pour me faire travail ça, pour me faire travail ça. C'est pas un tel bon Dieu passé pour me t'acheter souliers ça. C'est pas un tel bon Dieu t'es passé. OK pour me te ka gen tête ça c'est pas un tel bon Dieu t'est passé pour te ka ban kay ça et comme ça pour parler OK ah c'est pas un tel lui bon Dieu t'est passé qui fait accident ça me sauver de lui vous comprenez vim me préserver de lui même donc maintenant faut nous très prudent là n'a parler après bon Dieu pas encore faut très très prudent attention. Donc mes amis, n'a pas songé ça. Moi pas pi mal, le moment de comment pas dit pas pi mal. Pas dit n'a boulé petit petit. Pas dit après bon Dieu dans ciel là. Puis God dit l'a frappé puis pour dire c'est l'a frappé puis doit tout lever son bagage puis gauche son bagage. Est-ce que vous comprenez? Puis God dit tout je nous sont dit nous sont dit l'homme dans le blanc, je ne peux pas dire ah, il est dans le blanc, dans le zombie, non, dans le blanc, dans la neige. Puis, quand il dit, il y a une force diable sous lui. Comprenez? Parce que diable n'a pas plus de force que bon Dieu. Il dit, il y a une force Saint-Esprit, bon Dieu, sous lui. Est-ce que nous comprenons? Donc, mes amis, il faut nous très prudents. Il y a un langage qui n'est pas pour nous. On passe ce camp, il a parlé. On ne peut pas besoin de citer, il y a une dénomination liée. Mais une dénomination qui est très, 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 très populaire. Et puis pour la parler, on monde qui frappait dans l'église et puis il était carrément il dit c'est rat kay k'a manger pay kay, ça pas langage chrétien. Ça pas langage au pasteur. Ça pas langage au pasteur. C'est rat kay k'a manger pay kay. Ça c'est langage ougan. Ça c'est langage malfaiteur. Voilà c'est rat kay k'a manger pay kay. Comment d'ailleurs mon n'a gros problème meilleur bagaille pour dire c'est pour dire ah on prier avec un tel pas gain rat pas cap manger pas caille bon rat caille manger pas caille puis ou pas faire pour lui s'il qui t'a manger lui pas faire pour lui non langage ça langage malfaiteur langage trompeux vous comprenez ça c'est langage malfaiteur pour le tromper. Est-ce que vous comprenez? En français, je dis langage, ça, c'est un langage trompeur. Il faut pas qu'il y ait que normalement, faut ou pas doit gagner un langage trompeur, non. C'est gâte kay kay manger kay pay kay. Ou bien, il n'y a pas dit ça qu'on a un autre synonyme qui c'est chai sous tête, il tombe sous épaule. Non. Ça, c'est des expressions trompeuses. Mais pas bon. C'est des paroles trompeuses. Ça, c'est des paroles diable ou gants utilisées pour qu'à tromper ou pour le manger corbeau, pour le casser poche. Est-ce que vous comprenez? Pour le casser ou pour le casser pour un tout. Pas de bagaille comme ça. Le langage est trompeur. Attention.
chaise saute sur tête, il tombe sous épaule, c'est la caille qui a mangé. Et en pile, voilà, il a dit, c'est menti à faire. Parce que le diable là, et ça là pour le faire, mettre division. Il est le père des divisions. C'est lui-même même qui vient avec division, selon Matthieu 12. Selon Matthieu 12, verset 28. Verset 6 à 28. De préférence. Selon Matthieu 12, verset 26 à 28, diable, c'est division. Il l'a pour le mettre. Craser union. Donc, même si on passe au barougan, même si bon Dieu t'a bon, t'a révélé au, un petit lit, bon problème, même elle t'a révélé oui, son proche lit, cap attaquer, meilleur bagaille pour dire, c'est dit pour dire, bon Dieu a fait grâce. Ou pas là pour dire, mais qui est-ce qu'il a fait? Pour aller voir là, dans le compte, non. Bon Dieu bon, et pas tout bagaille bon Dieu doux pour parler. Nous comptons ça déjà? C'est pas tout bagaille bon Dieu doux. Et puis, pour le bon message, bye. Ou pas journaliste. Vous comprenez, ou pas présentateur. Nous songez ça que t'es arrivé Joseph. Ah, attention. Nous songez ça que t'es arrivé Joseph. N'en aimez pas aller. Attention. Faut qu'à contrôler l'angle. Est-ce que vous comprenez? Faut qu'à contrôler l'angle. Ah, apôtre Jacques dit ça, Jacques frère Jésus. Il dit ça, faut qu'à contrôler l'angle. Donc mes amis, moun ki bon religieux, c'est moun ki contrôle langue bien. Gen langage c'est pas pour chrétien. Gen langage de pour utiliser, gen parole de pour dire. Ou a fait moun suspect ou pendant ce temps gen doit pas rien ou innocent. Vous comprenez? Donc n'a suspend éviter, n'a suspend utiliser alors. N'a éviter utiliser mot ou bien parole ou bien langage qui païen yo qui mondain yo. Bon Dieu bénis nous. Bon Dieu garde nous, bon Dieu protège nous, bon Dieu sécurise nous. À demain si Dieu le veut pour un prochain enseignement. Pas oublier partager enseignement ça à tout le monde qui sous contact. Songez partager enseignement ça à tout proche pour yo connaître pour yo pas dire papi mal. N'a bouler petit. C'est pas pour un bien, c'est pour un mal. Comprendre tout ça crivé, c'est pas pour un bien, c'est pour un mal. Ou en tort ou passé, ou pas en tort ou passé. Pour suspendre déjà des bagages ça yo. Est-ce que vous comprenez? Etc. Etc. À demain si Dieu le veut pour un prochain enseignement. Bye bye. Moi, remets-nous dans Jésus-Christ.